Donc, moins de 3 mois, nous restons à l'arbre de niveau sud. Et c'est 16 ans, je rappelle 3 mois. Et presque par jour, et génocide, nous restons fini. Électromécanique, on va le finir tout à l'heure. Autorisation a commencé à placer pour tout. Donc, c'est ça, c'est les grandes situations. Donc, c'est ça, le travail qu'on a en équipe. C'est la présidence. Et le ministère de travaux publics, EDH et le ministère finance, tout le monde, PM, notre primature, tout. Nous tous gonflé pour être non. Nous avons un mécanisme comment travail fait en équipe et où est-ce que ça a produit. Et moi-même, ça a étonné le monde, dit, la Chine, ils font un gros hôpital dans moins de 3 mois, suite avec le coronavirus. Haïti a fait gros bagaille tout. Seulement, il faut nous gagner l'argent. Et depuis que nous avons l'argent, nous avons fait merveille. Et nous avons besoin d'unité entre nous-mêmes. Donc c'est comme ça. Nous avons fini presque avant 16 janvier, nous avons presque fini les travaux de génocide. Et parallèlement, les travaux électromécaniques n'ont pas avancé. Donc samedi, nous avons fini encore, nous avons fait l'autre merveille. Donc nous-mêmes, le président m'a dit ça. Chaque semaine, nous venons venir ici. Hein. Pour nous voir comment ils travaillent dans le boulevard et Trois-Rivières là pour avancer, ou RN5 là pour avancer, Cafoujoff et Port des Pères, et comment le carnaval le 14 février, comment l'a bien organisé ici. Hein. Donc, nous avons mis la population au courant, comment on a avancé. Donc, nous montrer au qui ça nous a fait, nous, équipe ça. C'est ça. Les photos déjà installées, ça c'est fini. Tout bagage, oui, tout bon. L'autre jour, tu es venu là, ouais, mes veilles qui ont dans une fête, ouais, c'est l'ami qui a mis. Donc, samedi, ou après, bah, il est presque fini. Donc, c'est parti vitesse, on dit comme ça. Et donc, nous nous mettons confiants et nous avons des pères 24-24 ans. Il y a parmi les premiers monde qui joignent nous. Donc, le président dit, et moi, bon côté, DGDH, bon côté. Donc, et réalité, 24-24, pas DPA, sont vérité, en réalité, d'ici mois février. Nous déterminons pour nous satisfaire pour la population. Et dans toute activité, dans le secteur énergétique, là, dans l'infrastructure routière, là, dans l'eau potable, nous allons corriger bientôt, et dans différents domaines, et même on sait de travail au FNAC, qui était abandonné, nous faisons qu'on y a en DAN, dans partout pour notre travail, nous avons essayé de changer l'autre des choses avant et février 2022 pour toute sa présidente pour mettre et presque tout remettre. Tiens ça pour le peuple. Le peuple a commencé à joindre nous, combien de peuples travaillent là. Et quand tout le peuple a joué, le monde qui n'est pas peuple, tout opposant, partisan, tout le monde a joué. Donc tout le monde a peuple. Et tout le travail, c'est pour nous. Nous avons intérêt à prendre pendant le président Jovenel Vini là. Et l'autre gouvernement qui a fait l'autre bagaille. Le problème courant va le résoudre totalement. Le problème est en grande partie. Donc, nous avons fini le problème route, à le problème santé, à le problème éducation. Avec ça, nous avons l'autre pays. C'est le technicien qui a volé là. Le technicien, donc, il y a un technicien. Et en génie civil, nous allons parler des travaux en génie civil. Alors, technicien, à côté de ministre, qui va garantir que le travail est censé presque fini. Et sous transport, parce que là, l'installation poteau surtout, quand il parle ensemble avec la population, hein, et sous qui longueur du transport, ça y est, en fait, surtout dans la centrale là pour arriver dans le centre-ville. Là, combien de poteaux nous comptons parler? Ok, bon, bien entendu, nous ne pouvons pas dire combien de poteaux, mais nous pouvons dire combien de kilomètres ligne nous avons pour nous construire. Et nous sommes déjà partis sur presque 1 km. Nous avons environ 7 km ligne pour nous construire des centrales, des nouvelles centrales ça, à l'ancienne centrale qui est Port de Paix. Et nous avons pour nous construire. C'est environ 7 km. Et le poteau est placé à 45 mètres l'une de l'autre. De distance. De distance. La distance okay. À moteur là. Oui, moteur là, il y a 4 groupes qui sont déjà disponibles là depuis 6 décembre, ils ont installé un bâtiment central. Et nous parlons de transporter. Bon, courant, moi-même pas spécialiste électromécanique, c'est ingénieur civil, c'est chef d'études et construction EDH, c'est nous qui nous plus travaillons dans la construction
bâtiment ça va regarder là. En termes de pourcentage, parlez-nous de construction bâtiment, réalisation, en termes de terminer. Bon, pratiquement, tant qu'on s'est observé, le ministère s'est fait remarquer là pour nous. Donc, nous avons avancé à grande vitesse et que d'ici 16 janvier, si Dieu veut, nous comptons finir avec tous les travaux d'agréage, de ragréage à l'intérieur du bâtiment et pour nous passer la partie extérieure là, en façon pour nous faciliter les gens qui viennent faire appareillage, qui viennent faire câblage et placement et les tableaux de commande. Et que nous avons été dans le libre pour le travail d'ici 16 janvier. On va dire que nous avons travaillé ça au. Oui, partie technique. Partie électromécanique. Nous avons travaillé ça au long temps record. Bon, nous avons méthodologie. Bon, méthodologie, c'est travail sans cesse. Travail la nuit, le jour. Donc, nous commençons le 16 octobre dernier. Donc, moi-même, personnellement, nous avons compté tout doit nous combien de fois nous dormons. Et nous avons fait de 16 octobre à aujourd'hui, nous comptons environ 20 nuits. Non, intensifier le travail. Et pour combien de vieux, comment ça y est? Le grand filmier qui touche tout ce là, tout ce bio, deux par construction centrale là. Bon, pratiquement, nous embauchons pour travaux construction centrale là et travaux construction clôture qui a pour environ 8 carreaux de terre. Parce que nous avons un parc solaire que nous allons installer. Dans un an, nous avons 8 carreaux de terre, nous avons environ 1040 mètres. Et linéaire de clôture et en bloc n'a fait donc nous employés nous by job à plus passer 150 monde chaque par semaine et nous faisons roulement chaque 15 jours donc on capable hybride oui son centrale hybride mais pour l'instant c'est groupe diesel qui est installé et que très prochainement on a commencé avec son plan d'aménagement moi nous avons équipe Port-au-Prince qui travaille sur le plan d'aménagement pour que nous voyons le bail d'une énergie qui s'est parti qui a bien pour installer panneau solaire et très prochainement il a commencé avec ça. Merci beaucoup ingénieur Abenou. Non moi c'est Noël Frito, chef département d'études de construction et de H. Merci beaucoup. Merci. Noël Frito. Et nous avons un travail tout derrière. Nous toujours en direct dans la centrale électrique d'Iléga-Wapnon qui va être capable de desservir mon nord-ouest, bien entendu. Donc j'ai un ingénieur qui a précisé là. Et travail génie civil censé fini. Et donc c'est l'autre travail que je vois capable de faire mes fonds que monsieur Calé à grande vitesse, vous non, votre jour, qui était installé, monsieur Calé à grande vitesse. Et c'est une centrale qui logeait son bonne portion de terre.